chambre de Sif et Thor. Père et les autres s'étoufferaient s'ils apprenaient que je suis venu ici. Minute, qu'est-ce que je suis venu faire ? Rien ici. Odin est peut-être dans sa bibliothèque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne comprends pas. Le masque ? Ramener chez nous le géant qui a tué mes fils ? Pourquoi ? Je pourrais te l'expliquer, mais pas te le faire comprendre. Ne laisse plus ton épouse penser à ta place. Elle embrume ce qu'il reste de ton cerveau. Elle n'a rien à voir là-dedans. Non, mais tu es bel et bien limité. Accepte-le et vis avec. Va plutôt détruire quelque chose, veux-tu ? Honnêtement, je te préférais quand tu buvais. Loki, viens là. J'ai enfin mis le doigt dessus. C'est là que vous avez tué Ymir. N'est-ce pas ? Le premier géant. Dis-moi, peut-on tuer un éboulement ? Étouffer une tempête ? Ymir était une force de la nature, la puissance incarnée. J'étais jeune et bête. J'ai vu l'occasion de créer quelque chose. Tu penses sûrement que c'était cruel, mais j'ai fait ce que j'avais à faire pour protéger les miens. Tu comprends ? Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Que cache-t-il ? Si je dois vous faire confiance... J'essaie de t'expliquer. Juste après la mort d'Ymir, j'ai vu quelque chose, la brèche. Peut-être bien le point de départ de la réalité. J'ai plongé mon regard et j'ai vu une présence qui me regardait droit dans les yeux. Elle me murmurait des choses que je ne pouvais pas comprendre, mais je savais qu'elles étaient vraies. Quand elle m'a aveuglé, j'ai cru que c'était la fin, que jamais plus je ne regarderai à l'intérieur jusqu'à ce que je trouve ce masque. Et j'ai su, à cet instant, qu'il me permettrait enfin d'obtenir des réponses. Vois-tu, mon enfant ? J'ignore où j'irai après ma mort. Il n'y a pas de Valhalla pour moi. Le Ragnarok ne peut pas être la fin. Mon existence ne peut s'arrêter ainsi. Je dois savoir ce qu'il adviendra de moi. C'est la vérité. Je te le jure sur l'œil qu'il me reste. C'est toute la vérité. Les runes sur le masque. Elles parlent d'un souffle glacial. Souffle, vent. Il doit s'agir des Limes. Limes, dis-tu ? Je te crois. Et je connais la personne idéale pour t'accompagner. J'espère que vous vous montrerez à la hauteur de mes attentes. Tu peux compter sur nous. Essaie d'éviter de te planter. Oh, j'ai failli oublier. Heimdall se joindra à vous. Quel privilège. Pour nous tous. Oh, hop, 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 hop. Pas si vite. Vous ne pourrez pas affronter le froid glacial de Helheim sans aide. Efrelar. Voilà qui vous tiendra chaud. Ne me remerciez pas. Ymir a dit que même Odin ne pourrait survivre au froid d'Helheim. Tu crois tout ce que te raconte ce vieux bouc ? Trude, désolé que ta première sortie hors d'Asgard t'amène à Helheim. Non, ce sera une bonne expérience. Bien, j'adorerais jouer les gouvernantes,
Mais le père de tout m'a confié une autre mission. Si vous rencontrez le moindre problème, criez pour que je puisse retrouver vos corps. Bon, trouvons ce morceau de masque. Je peux enfin tester mes compétences aux côtés du grand expert des Valkyries. D'abord, les Éléens ne sont rien comparé aux Valkyries. Ensuite, je pensais que tu me croyais pas. Croire que tu as affronté les Valkyries. Ce que je crois pas, c'est que grand-père les avait corrompus, qu'il a causé la désolation de Midgard et ordonné le massacre des géants. J'oublie quelque chose ? Pas mal de choses. D'autres Éléens, je m'en charge. Et moi je te regarde sans rien faire. Tu rêves. Elle est vraiment forte. En toute franchise, pourquoi ces guerriers se sont-ils abattus? Alors, quels autres abominables crimes mon grand-père a-t-il commis? Voyons. Il a décimé Vanaheim, torturé Tyr, exécuté Groa, assassiné Ymir, et y a pas que ça. Intéressant. Et où as-tu entendu tout ça? C'est Freya et Mimir qui me l'ont dit. Ah, donc sa traîtresse d'ex-femme et son ancien conseiller aigri? Je vois. Écoute, tu ne me crois pas, mais... Non, c'est vrai. Soit tu mens, soit t'es un hypocrite quand tu l'aides. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la mission? Impasse. C'est ici que le masque nous dit d'aller? Faisons demi-tour, on trouvera un autre chemin. Quoi? Des Éléens? C'est qu'on est sur la bonne voie. Bien sûr. Gueule pas! Ah!
gros trou là-haut, maintenant. C'est peut-être notre passage. Si on servait de la grosse caisse... Je m'en occupe. Je vois ça. Hé hey, tu m'en veux pas, hein? C'est bon. Peut-être que nos familles sont censées être ennemies. Mais... pas nous. Je refuse de le croire. Ce que je crois, en revanche, c'est que tu ferais une grande Valkyrie. Et je le dirai à ta mère. Même si elle me fiche une peur bleue. Merci. Allez, on a un morceau de masque à trouver. Pas de passage par ici non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Mais mon instinct me dit que ce qu'on cherche est ici. Viens le pas. Elle a traversé le sol! C'est peut-être notre passage. Descendons pour voir. Maintenant, on va... droit dans un groupe d'Eléens. À l'attaque! Viens le pas! Il doit y avoir un autre accès. Ouvre bien les yeux. Viens pas.
génial. En avant. Le masque. Le guidage du masque est un peu bizarre avec toutes ces structures sur le chemin. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Tu crois ? Viens le voir ! De moi. Je veux que ça se passe bien. Je veux que ma famille voie de quoi je suis capable. Je sais, moi aussi. Masque. On dirait que c'est par là. Je me charge de l'ouvrir. D'accord, ces portes sont vraiment coriaces. Tu vois quelque chose là-dedans ? Voilà. Bien, ce que t'as touché a fracassé le sol, comme tout à l'heure. Faisons demi-tour pour voir ça. Bon, je parle beaucoup de ma mère. Et toi, comment est ton père ? Il est... dur. Il essaie de me forcer à devenir comme lui. Mais je crois pas que ce soit moi. Ouf. Ouais, je sais exactement ce que c'est. Le problème, c'est que je sais pas ce que je veux. Toi, tu as cette chance. Tu vas trouver. Celui-là, il est... Non, pas vraiment. Ma mère va vraiment avoir du mal à me garder à Asgard après ça. C'est par où ? Le masque nous disait d'aller tout droit. Mais bien sûr, la voie est bloquée. Peut-être qu'ils veulent pas qu'on entre ? Ou qu'autre chose ne sorte ? Viens le voir ! Jolie. Comment tu as su que tu voulais être une Valkyrie ? Un peu par hasard. Après une dispute avec ma mère, j'ai filé en douce et vu leur entraînement. Chacun de leurs mouvements était net et précis, comme si elles savaient exactement ce qu'elles devaient faire. Et à ce moment-là, je l'ai su aussi. Et maintenant, par où ? On dirait que c'est par là. M'a donné.
C'est trop lourd ? Tais-toi, quelque chose la bloque. Je vais regarder, mais je veux entendre la suite. D'accord. Trop lourd. T'as vu mes bras ? Voyons. Pas mal. Je sais. Comme je le disais, voir les Valkyries se battre avec force et avec grâce, sans faux semblant, ça m'a ouvert les yeux. Pour la première fois, je savais où j'allais. Je n'avais aucun doute. Dommage que les géants suivent des prophéties. Peu importe. Trace ta propre voie, comme on l'a fait ici. Écarte-toi, petit homme. Oh, elle est coincée aussi. Mais je sens qu'elle souffle. Oui, je vois ça. À l'attaque! Bonne équipe. Oui. Et maintenant ? Si seulement on pouvait passer cette maudite caisse. Apparemment, c'est par ici, mais c'est bloqué. Et si je bouge ça... Ah ! Est-ce que tu peux monter ? Trouve un moyen de faire tomber la caisse de l'autre côté. Je t'attends ici. Je ne peux pas monter comme tu le fais. J'y vais. Ingrid, est-ce que j'ai été trop dur à propos de son grand-père ? Il faut qu'elle sache la vérité, non ? Oui, tu as raison. Hé, hey, tu me parlais ? Non, je parlais à Ingrid. Ah, d'accord. Je t'attends.
Voyons, où je peux avoir un meilleur point de vue sur cette caisse? T'as réussi! Je devrais la rejoindre. La voie est libre. Allez! Oh! Le masque s'agite. On doit être proche. C'était quoi? À toi de me le dire. C'est toi qui es déjà venu ici. C'était sûrement rien. Ça n'en avait pas l'air. On sort d'ici. Et le masque, on est tout proche. En plus, je crois pas qu'il soit dangereux. Est-ce qu'on voit bien la même chose? S'il est enfermé, c'est sûrement pas pour rien. Je peux sentir ce qu'il ressent. C'est un truc de géant. Et tout ce qu'il veut, c'est sortir. Le morceau doit être derrière lui. Fais-moi confiance. D'accord. Commençons par l'entrave qui n'est pas près de ses dents. Il avait une troisième sous sa patte. Attention ! C'est le câble. Et si on regardait dans la salle qu'il gardait ? Dis-moi que c'est dans l'eau quelque part. C'est... Tiens, il n'y a plus aucune réaction. C'est bien la première et fois. Je t'ai fait confiance. Et on a libéré cette chose. Grand-père va me tuer. Il faut qu'on file d'ici, dépêche. Attends! On l'a peut-être raté. Il était quelque part Trude, là-bas. Trude! C'est... Ça va aller. Comment tu peux dire ça? J'aurais jamais dû t'écouter. Si j'ai fait une erreur, je la réparerai. Je trouverai le morceau. Tu es vraiment un imbécile fini. Tu sais que cette chose fait des trous entre les royaumes, pas vrai? En
Enfin, je suppose qu'on pouvait s'y attendre, venant de deux bâtards. Ne me traite pas. Je t'appellerai comme je le voudrais, Minus. Laisse-le tranquille. C'était une erreur. Non ! L'erreur était de te laisser croire que tu étais prête. Tu l'as aidé, n'est-ce pas ? De quel côté es-tu, au juste ? Sauterelle. Viens là, je vais te montrer. Oh ! Et qu'est-ce que tu... comptes faire exactement ? Oh. Vois-tu, les gens se retiennent avec toi parce qu'ils ont peur de ton père. Mais pas moi. Cette espèce de grosse barrique d'hydromel sur pattes. On recommence. Bien, bien. Imbécile de père en fille, semble-t-il. Alors soit. Voyons ce que tu vaux. Tu as encore bien des choses à apprendre, petite fille. À commencer par reconnaître les tiens et ceux qui ne te sont rien. Attends que je devienne une Valkyrie. Oh. Oh. Alors, tu crois vraiment que le père de tout permettra que ça arrive ? Oh. Allons, tu ne devrais pas laisser cette petite fouine te bercer d'illusions à longueur de temps. Arrête ! C'était pas loin. Trud ! Il fait ça pour t'énerver. Ah ouais ? Eh bien, c'est réussi. Vous autres, les gosses, vous êtes... barbants. Si tu en as terminé avec ta petite crise, nous devons partir. Parce que je brûle d'impatience de vous voir expliquer votre bourde au père de tout. Oh, ça va être fantastique. Hugin! Oh, il n'est pas là. Allons voir dans son bureau. Oh, je n'aimerais pas être à votre place. Père, lui, me soutiendra. Après que le père de tout l'a renvoyé en boudant la queue entre les gens ? J'en doute. Quant à toi, Loki le Jotnar, ton incompétence me sidère. À tel point que je n'endors plus la nuit. Si tu le dis. Je suis sincère. Tu possèdes une telle palette de défauts que c'en serait presque... attendrissant. Si ton inutilité était comestible, nul ne connaîtrait plus jamais la fin. Très bien, tout est de ma faute. Laisse-la en dehors de ça. Je n'ai pas besoin de ton aide, Loki. Désolé. Garde ça pour le père de tout. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Loki, je te retrouverai dans ta chambre quand j'aurai fini. Ce ne sera pas long. Très bien. Ma mission s'est déroulée sans accroc, père de tout. L'objet dont nous avions discuté est à l'abri. Le masque, en revanche... Merci beaucoup. Trude, je... Je ne veux rien entendre. Tout allait bien avant que tu débarques. Je vais me rattraper, c'est promis. J'ai vraiment tout raté. C'est dans ces moments-là que la maison me manque. T'avais une maison, Ingrid, avant d'être ici. Quelqu'un qui s'occupait de toi. Je prends ça pour un oui. Je peux peut-être t'aider à rentrer chez toi, sans tout faire rater, si possible. Ça te plairait ?
Je peux entrer. J'ai entendu la version de Heimdall. J'aimerais entendre la tienne. Raconte-moi. Ce n'était pas là. Je me suis trompé. Tu sais, tout le monde peut faire des erreurs. Mais relâcher Garm, c'est extrêmement grave. Le chaos se répand déjà au sein des autres royaumes. Ici, on ne craint rien, à Asgard. Mais partout ailleurs... Je crois que je veux rentrer chez moi. Très bien, si c'est ce que tu souhaites. Je t'ai dit que tu n'étais pas un prisonnier ici. Tu as le choix. Va, fais le vide. Je sais que tu reviendras. Mais si tu t'en vas, tu dois me rendre le masque. Comprends-moi bien, j'ai une entière confiance en toi, mais pas en ton entourage. Oh, et Ingrid. Ingrid, je dois partir. Loki, quand tu seras prêt à revenir ici pour suivre ton travail, Hugin t'attendra dans ton ancienne maison. Tu t'es trompé. Ça ne change rien au fait que tu es le bienvenu ici. Oh! Et tu salueras Mimir pour moi? Je suis surpris d'être soulagé de revenir ici. Si tu restes ici, tu risques d'attendre longtemps. Bien sûr. Il faut que j'utilise l'accès mystique au plus vite. Odin a raison. Libérer Garm. Quelle terrible erreur. Bien. Je peux pas m'enfuir. Cette fois, je vais devoir lui faire face. Très bien. Je serai bientôt rentré. Ça va aller. Tout va bien se passer. Non, non, non! C'est toi! Non, attends. C'est toi! J'arrive au bon moment, gamin! Tu en as un ou deux! Où est mon père? Parti chercher un moyen de te tuer! Gamin, on nous attaque! Atreus, on fait attention! Il en viendra si on ne pourrait pas fermer cette brèche de royaume. Atreus, vous allez loin de moi! Oh! Lessa Rifa. Lessa Rifa.
Relève-toi. Aide Freya, je vais les attirer. Terminé ? Pas grâce à toi. Où est Atreus ? Atreus ? Le fugitif est-il rentré apportant tout cela avec lui ? Ah, ne bouge pas. Je vais bien, je te dis. Tu saignes. Oh, arrête un peu de geindre. Comment dois-je t'appeler ? C'était de ma faute. Les Éléens, ils sont partout. Partout. Ce n'est pas ta faute. Bien sûr que si. Il y avait un loup à elle. Il était enchaîné et je l'ai libéré. Et je pensais que si je... Garm ? Par les bourses d'Odin, tu as libéré Garm ? Garm ? Qui a libéré Garm ? C'est de la folie. Tu n'as pas fait ça, jeune homme. Si le molosse de Hel est libre, il va dévorer la trame même des royaumes. Les Éléens ne sont que le début. À quoi pensais-tu ? C'est vrai. As-tu idée du bourbier dans lequel tu viens de nous plonger ? Pourquoi as-tu commis pareille bêtise ? Est-ce l'œuvre de Loki ? Assez. Laissez-le. Atreus a commis une erreur. Une erreur que nous corrigerons ensemble. Génial. Si ça ne vous dérange pas, je vais rester ici. J'ai eu ma dose de voyage à Helheim. Il y a un problème. Je ne sais pas si je peux retourner à Helheim. L'écureuil saura peut-être. Je dois vous parler immédiatement. Immédiatement, j'ai dit.
Il s'agit d'une urgence absolue.